guess I'm gonna stay, but I'm just gonna wait in the background watching you talk to her. I know this might look bad, but I'm just gonna melt in the background watching you lean into. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver. Merci encore et toujours pour votre patience. Je sais que les vidéos mettent toujours du temps à sortir en fonction vraiment de mon temps que j'ai pour pouvoir les filmer et les monter. Ça prend toujours énormément de temps. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à une grosse motivation ménage. Je vais faire l'appartement à fond, que ce soit de la chambre, de la salle de bain, la cuisine, tout va y passer. Je vais peut-être essayer de le faire sur 2 jours. Parce qu'en plus il fait chaud en ce moment et moi quand l'appartement est poussiéreux et qu'il fait chaud, j'ai l'impression, voilà, c'est pas frais, ça va pas, c'est psychologique. J'ai vraiment besoin de tout refaire à fond dans l'appartement. Avant de la commencer, cette vidéo est en collaboration avec la marque Everdrop. Everdrop, c'est quoi? C'est une marque certifiée B, c'est une marque certifiée PETA, donc non testée sur les animaux. Ce sont des produits ménagers 100% naturels, donc à base de probiotiques. La probiotique, c'est une bactérie qui va éliminer donc toutes les autres bactéries. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de gens, je le vois assez régulièrement, qui utilisent de la Javel et on le sait très bien. La Javel est nocif pour notre santé et pour la nature. Donc je pense que c'est bien de pouvoir réagir très rapidement à ça. C'est vrai que moi, ça c'est un produit que j'ai éliminé chez moi. Il n'y en a quasiment plus, je n'utilise pas ça. Même déjà pour le côté santé, ça attaque les poumons, c'est une catastrophe. Donc j'étais vraiment très contente que la marque m'ait contactée pour vous présenter leurs produits. J'ai vraiment hâte de les tester dans cette vidéo. Vraiment très curieuse parce qu'en plus du fait que le ménage a un peu traîné, on va pouvoir voir la différence si ils sont vraiment aussi efficaces qu'ils le disent. Tout en vraiment gardant le côté naturel. J'ai aussi pour vous un code promo donc, que je vous laisse en barre d'infos qui est de 10%. N'hésitez pas à en profiter parce qu'il est cumulable sur leur solde d'été donc qui est du 26 juin au 17 juillet. Vous avez encore moins 20% et vous pouvez cumuler le code promo avec, donc ça vous fait vraiment une réduction de 30%. Et c'est vrai que s'ils arrivent à me convaincre dans cette vidéo, je serais peut-être tentée de refaire une commande chez eux parce que c'est, j'aime beaucoup, j'ai un petit peu étudié la marque sur leurs réseaux sociaux, j'aime beaucoup le principe parce que c'est une marque qui est certifiée B, c'est une marque qui est certifiée PETA, donc non testée sur les animaux et j'attends de voir vraiment leur efficacité et on va faire ça ensemble dans cette vidéo motivation ménage. C'est parti, je vous emmène avec moi. Avant de commencer le gros du ménage, je vais juste bien ouvrir le lit pour bien l'aérer, bien le rafraîchir. Je n'ai pas changé le lit aujourd'hui, je vais le faire vraiment ultérieurement hors vidéo. Mais c'est vrai qu'il en a vraiment besoin. J'ai plus tendance à changer le lit beaucoup plus régulièrement en été quand il fait chaud. On transpire beaucoup, surtout qu'il fait lourd. Donc c'est vrai que j'ai tendance à le laisser un petit peu plus ouvert le matin en temps normal. Je vais lancer ma toute première machine avec donc, le produit d'Everdrop Color Détergent. Donc c'est vraiment spécialement pour les couleurs. J'aime beaucoup parce que comme vous pouvez le voir, il y a la petite dosette en bois, la boîte compris avec. Et vous avez donc le seul déchet, ce sera la petite boîte en carton, j'aime beaucoup. C'est une lessive en poudre vegan, sans microplastique, elle est efficace dès les 20%. Vous pouvez même l'utiliser sur le linge blanc. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'il n'y a pas besoin d'assouplissant. C'est la lessive, elle est adaptée à la dureté de l'eau dans la région. Et c'est vrai que voilà, moi je le mets, j'ai plus tendance à mettre la poudre dans le tiroir que directement dans le tambour.
J'utilise jamais de poudre de lessive en général, mais c'est vrai que celle-ci m'a agréablement surprise. Et bien sûr, le tout avec la petite boîte, c'est très minimaliste et c'est vraiment super sympa. Le jour où j'aurai une buanderie, je trouve ça vraiment, vraiment super parce que tout est noté en fonction. Deuxième produit, c'est celui pour les toilettes. Celui-là, je vais vraiment le tester. Il sent super bon et ça sent pas le chimique. Ça, je peux vraiment vous le confirmer. J'attends de voir sur la durée parce que bon, c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup de calcaire par chez moi et j'ai aussi reçu donc les petites tablettes, les micro-tablettes, je crois que c'est les pastilles, non, pardon, les pastilles WC. Et par contre, ça, je vais les laisser agir. C'est vraiment présence de probiotiques à l'intérieur, donc ça nettoie naturellement. Contre le calcaire et les dépôts d'urine et la saleté tenace en fait. Là, vous pouvez le voir, j'ai exprès laissé traîner parce que je voulais tester vraiment l'efficacité du produit. Donc ce que je fais en général avant de faire ma salle de bain, je commence par les toilettes parce que je laisse vraiment poser le produit à l'intérieur. Alors ce produit-là, j'ai eu un petit peu de difficulté à le mettre à l'intérieur parce que c'est une poudre qui est beaucoup plus compacte que les autres. Donc c'est vrai que j'ai dû ouvrir complètement le sachet pour pouvoir le mettre à l'intérieur parce que ça sortait pas en fait, tellement c'était compact à l'intérieur. Donc j'aime beaucoup ce produit par contre. Je suis vraiment fan, ça sent bon, c'est pas fort, ça prend pas dans le nez. Et j'aime beaucoup le packaging parce qu'ils ont vraiment fait toute la gamme en rose pâle. Je trouve que c'est très minimaliste. Même si vous voulez le laisser à côté de vos toilettes, vous n'avez pas forcément la place pour ranger le produit. Je trouve que ça passe vraiment bien. Et là, c'est pareil. Je vais après, voilà, ils disent qu'il ne faut pas en utiliser beaucoup, hein. C'est très concentré. Vous n'avez pas besoin d'en utiliser beaucoup. Mais moi, j'ai un sérieux problème avec les produits ménagers. C'est que j'en mets toujours pas mal, surtout pour nettoyer tout ce qui est évier, lavabo et la baignoire. Le spray anti-calcaire, j'adhère. Ça, je vous le conseille à 1000%. Ça sent bon. Et tout le calcaire est parti comme du beurre. Ça fait briller tout ce qui est inox, robinetterie. Vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Et ça sent bon et ça prend vraiment pas au nez.
qui me plaît aussi notamment dans cette gamme, c'est le packaging et c'est le fait de réduire considérablement les déchets. Car je vous l'ai montré plus tôt dans la vidéo, il y a deux petits sachets qui partent à la poubelle à la place de 3-4 bouteilles de produits ménagers, sachant que même la lessive, quand je vois toutes les bouteilles à chaque fois qui partent, je me dis c'est juste un petit carton. Ça donne vraiment à réfléchir, mais moi je valide à 100% parce que ça n'a pas du tout senti le chimique. Quand j'avais fini de faire la salle de bain, ça sentait vraiment le frais et du frais vraiment naturel. Et ça, par contre, je valide à 100%. Je vais terminer par les toilettes. Le constat, j'aime beaucoup, j'aime surtout beaucoup le concept de la pastille à laisser diluer, à laisser reposer pendant quelques minutes dans les toilettes. Et j'attends de voir vraiment sur le long terme ce que ça va pouvoir donner au niveau résultat. Everything makes total sense when you're next to me. Une fois la salle de bain terminée, je m'attaque au lit et à la chambre. Je vais dépoussiérer tout ça. Quand il fait très chaud comme ça, je referme pas le lit à fond parce que c'est vrai que j'ai plus tendance à l'ouvrir avant d'aller me coucher pour laisser rentrer l'air frais dans les draps. Comme il fait très chaud, dites-moi en commentaire quel est le temps chez vous, s'il fait beau ou pas, parce que chez nous c'est un petit peu yo-yo, une fois il fait bon, une fois il pleut, mais par contre les températures ne changent pas, il fait quand même très lourd à l'intérieur. Je vais aussi en profiter pour passer en revue tous les dodos des chats. Tout va partir en machine. J'ai amassé de la poussière dans l'aspirateur. C'était une catastrophe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je me dis, oh, je vais le faire demain, je vais le faire demain. Et bon, je pense qu'on est un petit peu tous pareils. Et j'ai vraiment envie d'arrêter ce raisonnement et de me le dire, allez, quand je peux le faire tout de suite, je le fais tout de suite. Attention. So you were saying, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Je vais un petit peu mettre mon diffuseur d'ambiance dans la chambre. C'est une odeur qui est très proche du monoï. Et j'aime beaucoup cette odeur-là quand il fait chaud. Ça rafraîchit. Et puis de toute façon, j'adore le parfum de monoï. Hein. Dès qu'il fait beau en été, c'est une odeur, un parfum très particulier que j'apprécie beaucoup. On va passer au canapé. Comme vous voyez, Mademoiselle a élu domicile sur le dossier. Donc vous pouvez voir l'état. Il y a une grosse boule de poils, notamment juste au milieu. Donc je vais aspirer vraiment le canapé dans tous les coins. J'ai recommandé une autre couverture pour le mettre tout le long du dossier. Parce que voilà, ça ne me dérange pas outre mesure, mais c'est vrai que le souci, c'est que je suis obligée de tout bouger quand je fais l'aspirateur. Et au moins, avec la couverture, j'aurai juste à passer l'aspirateur par-dessus. Donc, c'est vrai que ça va être un gain de temps considérable. Et voilà, oui, forcément, passer tous les coussins en revue. Hein, les poils, ça ne pardonne pas. Donc, c'est vrai que j'étais vraiment contente de le faire. Et je trouve que ça rafraîchit déjà la pièce.
Everybody has their job, 9 to 5, and getting drained. They settle for second best, scared to risk what the future might bring. What the future might bring. I hold my breath, waiting for someone to knock at my door. J'utilise beaucoup ce petit instrument pour enlever tout ce qui est poils, bouloches sur certains tissus. Et c'est vrai que là, sur le velours, ça passe mais tout seul. Sur les endroits où je ne peux pas passer avec l'aspirateur, avant de mettre la couverture par-dessus, je voulais vraiment prendre tout ce qui était là où c'était difficile d'accès, parce qu'avec l'aspirateur, j'y arrivais pas en fait. If I love... The world puts me to the test. If I embrace every fall, learn to grow and keep myself tall, would it hurt? Je l'ai commandé donc sur le même site que les autres, Funny Fusi, je crois que ça s'appelle. Et c'est vraiment génial, c'est antidérapant. Ça dénature pas le canapé, parce que vous avez des couvertures qui ont tendance à casser le côté du canapé. Et j'aime vraiment beaucoup, parce que ça, je suis restée vraiment dans les mêmes tons. Et même ma maman a commandé pour son canapé, parce que vraiment c'est super, et puis ça résiste aux griffes de chat aussi. Je suis vraiment super contente du résultat, ça matche très bien avec le reste. Le Plumo Suifer est vraiment mon meilleur ami, je l'ai dans tous les formats. C'est vraiment une invention révolutionnaire pour faire les poussières sans que ça vole. Donc je m'attaque à faire toutes les poussières de l'appartement, que ce soit sur le meuble télé ou sur l'étagère qui est juste derrière. Je vais aussi en profiter pour bouger le rameur. Je vais m'y remettre vraiment. J'ai vraiment envie de m'y remettre, d'installer un petit coin sport de ce côté-là. Et je vais aussi enlever tous les poils de chat qui se sont accrochés aux boîtes, parce que la demoiselle, dès qu'il y a quelqu'un qui vient dans l'appartement, elle se cache entre le rameur et l'étagère. Et il y a des poils partout. Far, far.
je vais m'occuper de la table. Je vais aussi la changer de place, voir ce que ça donne pour avoir une ouverture un petit peu plus, avoir un visuel un petit peu plus du salon sur le balcon. Je trouve que ça ouvre un petit peu plus la pièce. Je vais voir ce que ça donne, si je garde ça comme ça ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais vraiment avoir vos avis. J'aime vraiment beaucoup avoir vos retours. Vous le savez. Donc, n'hésitez pas. Donc là, quand je fais vraiment le gros du ménage, j'aime beaucoup monter les chaises. Je ne le fais pas toujours parce que des fois, c'est une perte de temps. Mais quand j'ai besoin de faire un ménage rapide, par exemple, je ne le fais pas. Mais là, c'est vrai que j'ai fait tous les recoins de l'appartement. Je crois que l'aspirateur, il était plein parce que ça vole de partout. Et quand là, je ne l'avais pas fait, pour être honnête, ça, je crois que ça faisait 3-4 jours que je n'avais pas passé l'aspirateur. Donc, c'était plus que nécessaire. Je vais aussi m'occuper du coin cuisine, c'était catastrophique, c'était dans un état déplorable. Donc il était vraiment temps, surtout voilà, la poubelle toujours et encore rangée. Mettre tout ce qui est carton plastique à l'intérieur, comme ça se remplit assez vite, ben, elle va traîner jusqu'à ce qu'elle soit pleine, parce que je l'avais déjà expliqué dans une vidéo. Je n'aime pas remplir les sacs à moitié pour les sortir par la suite, à moins que ce soit le jour des poubelles. Et bien sûr, la vaisselle, j'en avais pas mal en retard. Donc voilà, je nettoie tout en même temps. Gamelle des chats, la vaisselle de ce matin que je n'avais pas faite. Je vais aussi m'attaquer au détartrage de la machine à café. J'allais vous dire machine à laver, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, donc oui, machine à café. Je détartre toujours la machine à café avec du vinaigre blanc. C'est ce qui marche le mieux, je trouve. Et je lance le programme pour continuer après la vaisselle.
Ça, c'est pareil. C'était quelque chose que voilà, je ne faisais pas, je n'enlevais jamais tout constamment. Et c'était, il y avait un petit nid de poussière derrière, je ne vous dis pas. Donc, c'était vraiment la catastrophe. Il était plus que nécessaire de le faire. Je trouve que ça fait du bien. Moi, j'aime bien faire ça. Ça me détend, ranger, réorganiser. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que quand tu ouvres et que voilà, tu as tout à disposition et que tout est visible, c'est vraiment agréable. Vivement que je m'achète un dressing, je vous le dis, c'est plus possible, c'est la catastrophe. Donc là, c'est pareil, je vais m'attaquer aux deux tiroirs. Ça, toujours, je le ferai un autre jour, je le ferai un autre jour. J'ai dit non, maintenant, ça suffit, je le fais aujourd'hui. Donc honnêtement, pour vous dire, j'ai passé toute la journée à filmer. Je crois que je me suis arrêtée de filmer, il était 9h30 par là. Donc j'étais sur les rotules de cette journée ménage. Mais au moins, quand je fais vraiment des grosses journées ménage comme ça, je sais que les autres jours, je vais pouvoir profiter pendant 2-3 jours, cool, tranquille. Mais quand il y a vraiment les grosses journées ménage comme ça peut, je préfère me gâcher une journée à tout faire que de faire un petit peu tous les jours. Enfin, moi, c'est parce que j'ai pas envie de passer tous les jours à faire mon ménage. Surtout quand on travaille, je trouve que c'est quand même. Enfin, moi, c'est mon coin beaucoup plus pratique. Et c'est ce qui me convient le mieux. Donc pour nettoyer ce rangement à couvert, j'utilise de la pierre d'argile. C'est ce qui va le mieux pour enlever toutes les traces. Et encore, j'ai pas réussi à tout enlever parce que c'est vraiment une matière qui est un peu rugueuse, un petit peu poreuse. Donc c'est vrai que c'est ce qui va le mieux pour enlever toutes les traces. Donc on peut vraiment voir la différence. C'est de nouveau bien blanc, bien propre. Et qu'est-ce que c'est agréable quand on ouvre le tiroir? Et je termine ce marathon ménage par l'évier,
qui était aussi dans un état catastrophique. Là, vous me voyez avec l'éponge à vaisselle parce qu'elle va partir à la poubelle. Elle était complètement finie. Je rince bien, je mets mes petites compresses sur le robinet. Il faut vraiment que je change. J'en peux plus. Il faut vraiment que je trouve le temps. Mais ça m'énerve en fait de mettre de l'argent dans des trucs comme ça alors que c'est pas à moi. Je ne suis pas fan de ça, mais bon, là c'est vraiment un côté aussi esthétique, c'est plus beau du tout, faut vraiment, vraiment que je change ça. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que ce marathon ménage vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye.